Chers amis, nous avons déjà entendu qu'il vaut mieux allumer une mèche plutôt que maudire l'obscurité. Ce que l'on ne nous a peut-être pas dit, c'est que nous portons en nous tout ce dont nous avons besoin pour éclairer l'obscurité. La mèche à laquelle mettre le feu est l'ego. Nous ne pouvons allumer aucun feu sans une mèche, ni ne produire aucune lumière sans ego. On nous a enseigné, bien sûr, que l'ego est une mauvaise chose dont il faut se débarrasser. Et moi, je dis que la mèche est nécessaire, que l'ego a son rôle à jouer. L'ego est le combustible qui nous permet l'embrasement spirituel, de la petite étincelle jusqu'à l'illumination, la joie d'entrer dans la lumière divine qui, comme une flamme épouse une autre flamme, nous élève peu à peu dans notre propre lumière. La mèche en elle-même n'est rien. Sans le feu de l'amour ou de la dévotion, elle demeure cette petite chose sans vie propre. Mais lorsque notre aspiration brûlante y met le feu, alors elle devient source de chaleur et de clarté. L'ego doit exister pour que la flamme de notre cœur puisse naître et s'élancer vers les infinis potentiels de notre croissance. L'ego doit exister pour se consumer petit à petit, alors que nous cheminons sur la voie de notre destinée. Si nous rejetons l'ego, nous rejetons la mèche, et jamais nous ne pourrons prendre feu ni produire de lumière. Si nous acceptons l'ego comme une nécessité, comme on accepte la pluie, le vent ou le froid, alors nous avons sous la main le meilleur des combustibles et l'opportunité d'allumer en nous des feux de joie. Soyons heureux de posséder cet ego qui nous permet de brûler à travers lui tout ce que nous ne sommes pas, tout ce que nous ne serons jamais, tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous trompe, tout ce qui doute, tout ce qui a peur, tout ce qui est trop sûr. C'est cela le feu de joie. C'est cela la danse de la flamme qui crépite et vacille, accrochée à la mèche de notre ego, une mèche que nous offrons à sa morsure en signe de célébration. Une mèche incandescente et candide, innocente mais non point naïve, qui peut allumer d'autres mèches à son tour, tout autour d'elle, comme une flamme épouse une autre flamme. Et dans la chaleur de cette flamme, tout ce qui pourrait encore résister à la divine étreinte se mettra à fondre peu à peu, afin qu'il ne reste de nous que la flamme pure et nue. Alors, demandons-nous, lorsque la flamme s'éteint, où passe-t-elle? Le feu est un mystère. Il brûle dans nos entrailles en nous faisant don d'une chaleur corporelle constante. Ce feu-là, nous ne le voyons pas, mais nous le ressentons. Lorsque la flamme s'éteint, elle transfère toute son énergie dans un plan invisible, le plan d'où elle a surgi à l'aube de notre vie. Aussi bien, nous retrouvons ainsi notre foyer, le réceptacle de notre flamme. Nous avons tous un ego. Nous avons tous une mèche. La vie fera tout pour y mettre feu. Alors, accompagnons la vie en faisant jaillir de notre cœur la première étincelle,
Il suffit de le vouloir. Il suffit de lui confier notre joie, même un tout petit instant de joie. Il suffit de lui accorder notre confiance, même si notre confiance fait par moments défaut. Nous sommes la chandelle. Nous sommes traversés par une mèche qui rend utile la cire qui la compose et surtout, nous avons en nous ce feu originel qui ne nous quitte pas, qui ne nous quitte jamais, puisque notre température est constante, puisque notre chaleur est ce que nous sommes. Alors, allumons la mèche et dansons devant le mur du monde où nous projetons de notre réalité le théâtre des ombres.